Fermés pendant plus de 3 mois, les cinémas ont rouvert leurs portes le 22 juin dernier. Mais le public est revenu timidement cet été dans les 200 salles de cinéma d'Occitanie. Une perte de fréquentation de plus de 70%. À Carcassonne, la directrice du Cap Cinéma, Coralie Leroy, tire le même bilan. Elle espère remonter la pente grâce aux blockbusters américains pour booster la fréquentation de son cinéma. Après un démarrage plutôt freiné par la période estivale où les gens ont eu besoin de profiter à l'extérieur, on remarque quand même qu'avec des sorties comme les Blagues de Toto début du mois d'août et la sortie tant attendue de Tenet le 26 août, les clients ont toujours envie de fréquenter les salles. C'est des films porteurs, des films qui donnent envie de faire soit des sorties en famille, soit de voir des gros films américains. Il y a eu une baisse, forcément, mais on a quand même un accroissement qui se fait, voilà, comme je vous le disais, avec ces sorties. On est à 40% de fréquentation, donc... C'est plutôt encourageant, on va dire, pour la suite. Et du côté des spectateurs qui se déplacent en salle, c'est aussi un soulagement de pouvoir retourner au cinéma et de se retrouver pour un moment de détente en famille. Car après 2 mois de confinement, les plateformes de streaming ont fini par lasser. Moi, je trouve que c'est encore important parce qu'il n'y a pas tous les films non plus sur Netflix. Donc, Oui, parce qu'après Netflix, pendant quelques mois de confinement, voilà. voilà. Changer un peu, varier les plaisirs, on va dire. Donc avec les enfants, ça encourage un peu et voilà, on va pas rester à la maison enfermé, on essaye, mais on prend toutes les précautions et puis voilà. Reste à savoir si les mesures sanitaires ne freineront pas l'envie des spectateurs de se déplacer en salle avec le masque obligatoire durant toute la séance. De l'aveu de Coralie Leroy, jusqu'à présent, le port du masque n'a posé aucun problème.